Merci. Voilà. Il faut encore saluer ça. Saluer ça pour notre très fort. Toujours un grand d'Afrique, autant que notre doyen Mani Dibango. Vous les applaudissez très fort et j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de beau. Merci. Vous dites que Abou Mali, c'est ma place. Et ici maintenant, pourquoi moi ici? Ah, parce que là-bas, vous avez vu les blancs, non? Et c'est pourquoi moi aussi je suis là, il y en a là-bas, moi aussi je suis là. Et il y a la musique ici, la musique a émigré ici aussi. Je suis venu par la vague de la musique, parce que ça d'abord, ça n'a rien de... C'est tout à fait normal, parce que la musique n'a pas de pays, n'a pas de frontières. Et où que tu sois, c'est là-bas, c'est le pays de la musique. Le problème de la musique africaine, si vous regardez bien, on ne vient pas avec une langue écrite née avec bazooka pour faire connaître nos cultures, mais avec la musique là, c'est quelque chose de très sérieux pour nous. Parce que c'est une arme de combat à travers laquelle nous allons tout faire pour développer nos cultures aussi bien ici qu'à New York qu'à Londres. On existe. Je veux dire que dans une émission populaire de la France, profonde, comme on dit ici, tu peux voir ou Salif, ou Manu, ou Touré Kounda, ou, ça ne choque plus les gens. La deuxième étape, c'est non seulement de nous voir jouer la musique, mais c'est de parler aussi à la télévision. Ça, c'est une étape importante. Voyez. Donc, on commence à parler également à la télévision. Donc, moi, je trouve que l'époque est très, très, très... intéressante parce que c'est une époque de lutte, c'est une révolution en fait. Il faut que la vie d'un homme soit positive et on essaie de rendre positif notre vie. En quoi faisant? En mettant notre connaissance, notre idéologie, en proposant notre idéologie à l'idéologie mondiale si elle peut accepter pour que la paix soit plus facile. La religion même n'est pas faite pour... Je suis pas religion, hein. Moi je suis pas prophète, je lis pas la Bible. D'ailleurs je peux pas lire la Bible parce que j'ai pas les yeux pour lire la Bible. Je ne lis pas non plus le Coran parce que j'ai pas les yeux pour lire le Coran. Mais je sais que la religion elle n'est pas faite pour ne pas qu'on s'entende. Au contraire, elle est faite pour qu'on s'entende mieux. Et donc nous on s'entend, les vraies religions c'est entre nous. N'est-ce pas, papa? Amen. Alléluia. Domi soldo, merci. Ah, Malaloba. Comment on va faire? Tu as dit que Dieu est grand. Et nous, on est là pour... Oh, on essaie seulement de la musique. Il a tellement à faire. Je te dis. Il faut dire qu'il y a des gens qui l'amusent aussi en plein dimanche. Il s'ennuie. Hey, il trouve les Africains. Il dit non, 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 Mandela là-bas. Bon, voilà. Laissez-moi tranquille. Voilà. Lundi, il se réveille. C'est Madame Thatcher qui n'est pas d'accord avec Indira Gandhi. Ah, laissez-moi tranquille. Tout ça, là, ça compte. Traoré vient demander l'argent ici. Laissez-moi tranquille. Ouais. Ça, c'est une chanson. Hein. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, je vais écouter les musiciens. Les gars, ils viennent chercher l'argent, ils vont dire. Les musiciens. Ouais. Mais quand Manu fait pas, il dit voilà, c'est ça que je veux écouter. Oui. Parce que ça, c'est plus conscient. Mais avant de faire ça, vous m'encouragez. Ouais, ouais. Les doigts sont fatigués. C'est ça. Ouais. T'as pas une force, hein? C'est ça. Ouais, ouais, je te jure. Et puis moi, je suis sûr que c'est vers nous que Dieu est tourné maintenant. Parce que c'est avec nous qu'il a moins de problèmes. Il n'en a pas. On fait ce qu'il veut. Et puis il entend la musique, ça lui fait plaisir. C'est ça.